Les refs, là je suis à Paname, je suis bien, tout ça décontracté, j'ai signé mon contrat, nouvelle saison qui commence, ça arrive sale, je suis heureux de fou, vous savez même pas comment. Après voilà, tout ce bonheur-là, ça ramène aussi des problèmes, parce qu'il y a tous les gens du Barça, ils ont le seum contre WAM, je vous jure, ils veulent me faire. Alors qu'à la base, on était tous des frères, c'était mes potos, les gens, ils étaient là, ils me disaient, j'irai à la guerre pour toi, je peux mourir pour toi, t'es comme un frère, t'es comme un reuf, t'es comme un père, t'es comme un petit-fils, t'es comme une tante, tout le monde me prenait pour quelqu'un de sa famille, tu vois, les gens, ils étaient proches de moi. Et là, ils veulent tous me buter. Là, je suis toujours dans le groupe WhatsApp du Barça, je vous dis la vérité, je suis plus en observation. Je participe pas trop parce que voilà, je me fais tirer dessus, ça envoie que des blagues sur moi, ça me clash, ça m'insulte, ça envoie des montages avec ma teuté, ça se fait même pas ce qu'ils font. J'ai quand même été le meilleur joueur de cette équipe pendant un bon nombre d'années, j'ai été le capitaine, j'ai été le super-héros de cette équipe, et là, il n'y a aucun respect. On m'attaque, on me traîne dans la boue, franchement ça se fait pas, ils ont tout oublié, ces petits bâtards. Même Gérard Piqué, il m'attaque, ce traître, c'est un truc de fou. Alors que j'aurais jamais cru ça, le mec, il a toutes les raisons pour ne pas m'attaquer. Déjà, c'est un de mes meilleurs amis, donc il devrait pas le faire s'il avait un minimum de respect pour notre amitié. Ensuite, bah il est nul, donc ça fait une deuxième raison de pas m'attaquer, parce qu'il est nul. Le mec, il devrait se taire un petit peu. Puis en plus, il a que des fake news, le mec, il est super nul, il est tout le temps à côté de la plaque, ça fait des années, il est là, il dit ouais, Neymar c'est Keda, Messi c'est Keda, tout le monde c'est Keda, le mec, il est Keda lui-même, hein. Il n'y a que lui qui reste au Barça, frère, tout le monde va partir, hein. Il n'a pas encore compris ça, ce con. De toute façon, moi je m'en fous, hein. La haine des Barcelonais, c'est pas grave, hein. Je leur en veux pas, c'est normal, ils ont le seum, parce que c'est tout ce qui leur reste, le seum. Ils ont plus de victoire, ils ont plus de titres, ils ont plus rien, il y a que le seum qui leur reste, donc voilà, continuez d'avoir le seum, et je sais qu'au prochain mercato, vous essayerez tous de me rejoindre à Paname. Vous me direz tous, ouais, mais si, frérot, il y a moyen, tu me fais une passe D, tu glisses mon nom à Nasser, moi aussi, je veux jouer avec vous à Paname. Et à ce moment-là, moi, je serais pas là, hein, je serais déjà loin, je serais dans le groupe WhatsApp du PSG, j'aurais quitté le groupe du Barça, je serais plus avec vous, hein, c'est terminé, les gars. Déjà, je vous ai déjà oublié, vous êtes tous des escrocs.